l'air sympa que tu reviens aussi souvent, pas vrai? On va retourner du coup. Bah, au niveau de la coupe, on va aller au niveau de la coupe. Voilà, c'est là. Et quoi, en fait, on va faire les deux courses qui nous restent à faire sur Carwon, parce que c'était les deux seules qui nous manquaient. Voilà, on peut se récupérer quelques boulons. On va faire 2-3. On va faire la coupe. Te revoilà, tu peux participer à nouveau si tu veux. Et on va aller faire la coupe argent, ce qu'il nous faut. À tous les concurrents, à vos marques. Prêt, partez. Ratchet et Clank, les chouchous du public, sont de retour. Nous ferons-ils autant rêver que lors du dernier championnat? C'est ce que nous allons voir. Ratchet passe en tête. Voilà qui va le retarder. On est encore premier par distance, ça va. Joli, va pas. Ça. Ratchet retombe à la troisième place. Ah, hop. C'est ta première fois ou quoi? Ok, on a le premier tour. L'insider Ratchet prend la deuxième place. Reviendra-t-il en tête? Les fans seront contents d'apprendre que, d'après ses représentants, Skid Magma va bien. L'overboarder professionnel s'était blessé en sortant d'un de ses magasins de sport. Mais sa chute ne laissera aucune séquelle. L'insider Ratchet prend la deuxième place. Reviendra-t-il en tête? En vrai, ça, il nous reste encore 3 tours. Ratchet passe en tête. Il s'est fait dépasser. Oh putain. L'insider Ratchet prend la deuxième place. Reviendra-t-il en tête? Ah. Non, pas eux. Ratchet est propulsé à une vitesse incroyable. Il n'est pas à l'abri d'un accident. Ratchet passe en tête. Il s'est fait dépasser. Oh, ticket. On a la fin. Ah. On vient de gagner la coupe argent. Waouh, c'était incroyable. J'espère que ton prix te plaira. Tu l'as mérité. Et du coup, Ratchet. Ouais, gagne la coupe. On s'est qualifié pour la coupe d'or. C'est tentant. Et du coup, on a eu quoi? Et on va aller faire la coupe or maintenant, du coup. Donc quoi, on va faire à peu près toutes les coupes. Il en reste certaines à faire sur d'autres planètes, mais pour l'instant, on n'a pas tout faire. Et c'est parti! Laissez-moi vous présenter quelques-uns de nos concurrents. Rick Blastex est équipé d'un Orion S12 modifié. Le jeune Victor Equinox utilise un Vortex de Mille. Et Chester Saint-Cloud a quant à lui choisi un Romulus Turbo K. C'est moi de l'heure. L'Outsider Ratchet prend la deuxième place. Reviendra-t-il en tête? Deuxième. C'est offert par Megacorp, le fabricant du jouet le plus attendu de l'année, le Proto Animal. Précommande-le vite. Ratchet passe en tête. Wow! Bien joué! Ce long bac a du talent. Ratchet est propulsé à une vitesse.
pas à l'abri d'un accident. Oh putain. Il s'est fait dépasser. Fais chier. Quelle figure! Serions-nous en présence du prochain Skid McMax? Oh non, une deuxième, fais chier. Désolé, Ratchet, la prochaine fois peut-être. Oh, désolé, reviens quand tu veux pour tenter à nouveau ta chance. Allez, vas-y. Allez, on refait. Ah, beau, oh, c'est joué à une demi-seconde près. Ouais, une seconde. On va récupérer les caisses. Avec plein de colons. Et je vais aller faire la coupe. Ou avant. On a ça. Te revoilà. Tu peux participer à nouveau si tu veux. Et voilà. On va faire la course. La coupe d'or. Chouchous du public sont de retour. Nous ferons-ils autant rêver que lors du dernier championnat? C'est ce que nous allons voir. L'outsider Ratchet prend la deuxième place. Reviendra-t-il en tête? Wow! Ratchet passe en tête. Il s'est fait dépasser. Ah oh, putain. J'ai utilisé mon boost. La victoire est à moi. Ah mais... Nous vous rappelons que les spectateurs sont interdits sur la piste. Oui, on vous a vu. Merci de remettre votre t-shirt maintenant. En fait, heureusement qu'il y a les explosifs pour me ralentir. La victoire est à moi. Ratchet passe en tête. On a gagné les coupes ici. Nom d'un boulon, t'es tout simplement incroyable. Tu devrais penser à une carrière pro. On a une carte Delt. Ratchet, une nouvelle carte disponible. C'est une carte Delt et on a Drake et on a une carte Delt acquise. Voilà. Et donc, R1. Et du coup, il nous manque le Delt 3. Et du coup, ah, mais du coup, là maintenant on a 5 doublons. On va pouvoir. Bah, on va compléter une. Bah, on va compléter Quartou là. T'as une série complète. Cool. Voilà. Et du coup, là on a. Il manque quoi d'autre? Le fusil grenade ou les combustors? On devrait retourner au vaisseau. Et du coup, on va peut-être essayer d'aller voir le mec des cartes Delt. Ah, qui n'est pas là, malheureusement. On ne sait plus où il est déjà. Ouais, c'est pas là. Non, ah, ok, du coup là. Tu as ce qu'il faut pour acheter un 20 en guerre. Hey, tu veux participer à nouveau? Ouais, c'est par là.
plaît, le mec. Ouais, du coup, ouais, je vais. Après, c'est vrai, faut qu'on aille voir le mec des cartes telles qu'il est là. Désolé, petit. Mais je pourrais pas te fabriquer l'arme tant que tu m'auras pas amené toutes les holocartes telt. Bah écoutez, bah ça va être là-dessus qu'on va s'arrêter pour bah pour cet épisode bonus, parce que on a fait un peu tout ici. Nanotech, j'en ai pas besoin. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça fait toujours plaisir de voir de nouvelles personnes s'abonner chaque jour. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de soirée ou une bonne fin de journée, peu importe à l'heure où tu regardes cette vidéo. Tu me suis sur les réseaux sociaux qui seront dans la description. C'était ton Ganab, à la prochaine. Salut. Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Nab. On se retrouve pour la suite de notre let's play, épisode je ne sais plus combien, j'ai arrêté de compter, de notre let's play sur Ratchet & Clank, le film. On était rendu à la dernière fois, on avait fini Battalia. On dirait que le canon marche toujours. Et on avait... Ouais, on était allé sur Battalia. J'étais parti vite fait sur Rilgar pour aller faire les coupes. J'ai le sentiment qu'on a encore une mission à remplir sur Rilgar. Mais il manque juste à collecter les cartes Telt et les trois boulons d'or. Mais pour l'instant, on va aller sur le déplanétiseur tout de suite. Et on est bientôt à la fin du jeu, parce qu'il... Est-ce que c'est moi ou est-ce que ce plan est... Stupide. Eh, je suis sûr que Quark sait ce qu'il fait. Moi non. Et du coup, on est reparti avec la phase... De venir gâcher notre petite fête. Sois gentil, veux-tu, et accueille-les comme il se doit. Avec plaisir, Président. Oh, c'est le vaisseau amiral de Victor Von Ayon. À tous les rangers, attaquez le vaisseau de Victor. Quark, Quark, mais où est-ce qu'il est? Tiens-toi prêt. Fais attention aux missiles. Bon allez hop, petit boss vite fait. Hop. La tête est mise à
prix, Lombax. Et la récompense est pour moi. Joli tir, Korra. Continue. Bon, allez, il nous reste... Allez, que 4%. Vas-y, n'hésite pas, mets le paquet. Soyez prudent, Ranger. C'est la guerre là-bas. Il est où le vaisseau? Ah voilà. Attends, on vient de battre. Réussi. Bien joué, Ratchet. Ouais, bien joué, petit. Ok, du coup on est. Ok, du coup on va être sur le Phoenix et on va voir bah, le boss avec avec Clank. Tu ne m'échapperas pas cette fois. Victor Volion a réussi à infiltrer le Phoenix. Nous devons abandonner le pont. L'incendie est en train de gagner du terrain. J'ai une idée. Peux-tu accéder au système anti-incendie du vaisseau? Oui, mais ça va pas être facile. Oh. Ah, ok, non, du coup, j'ai cru que... Ah oui, il y a une petite cinématique de... Tu ne m'échapperas pas cette fois! Victor Volion a réussi à infiltrer le Phoenix. Nous devons abandonner le pont. L'incendie est en train de gagner du terrain! J'ai une idée. Peux-tu accéder au système anti-incendie du vaisseau? Oui, mais ça va pas être facile. Le générateur du vaisseau a subi d'importants dégâts. Alors j'ai dû tout dévier vers nos systèmes principaux. On peut démarrer le générateur de secours, mais il va falloir le faire manuellement. Comment j'accède au générateur de secours? Il est dans la salle des machines, mais les commandes de la porte répondent plus. Donne-moi une minute pour les réactiver. Dépêche-toi. Reviens ici, espèce de sale anomalie! Là! Rentre dedans! Je suis dans la salle des machines. Ok, on est parti. Tu vas devoir activer deux générateurs de secours pour pouvoir rétablir le courant. Toutefois, les générateurs ont besoin d'énergie supplémentaire pour démarrer. Tu penses pouvoir y arriver? Je m'en occupe. On est en train d'atteindre un niveau de dégâts critique. Tu dois te dépêcher. Oh, des boulons. Montre-toi,
passerelle. Robot batterie. Si je parviens bien à construire de nouveaux ponts comme il le faut, je devrais être capable de rassembler tous les robots gadgets au même endroit. Ils ont déployé 3 escadrons. Vaisseau à 3, 4 et 11. Ils ne me lâchent pas. Désolé, petit robot gadget. Pareil. Celui-là. L'intégrité de la structure est inférieure à 50%. Tu dois arrêter ce psychopathe. Robot ressort. Ici là. Du coup. Ah, ok, c'est bon. Hop, il en faut 2. Attendez. Oui.
Hop, ici. Et en vrai, hop. Putain, mais en fait, là, c'est compliqué. Attends. Fais bien attention. Cette salle est vraiment dans un état scandaleux. Hop, jump pad. Et voilà, j'ai encore mettre 20 ans à comprendre. Ouais, il faut sûrement que je fasse ça. Mais tu veux que j'aille où avec ce truc? L'équipe. Ah putain, mais non. Ah putain, mais non. Oh putain. Non, c'est pas ça. Mais si, c'est ça. C'est plus... Oh, je doute que ce vieux coucou tienne longtemps. Ah. Pourquoi il en faut que deux? Après de mourir. Voilà. Mais what the fuck? Je suis dans la salle des machines. Ah merde, on va activer deux générateurs de secours pour pouvoir rétablir le courant. Toutefois, les générateurs ont besoin d'énergie supplémentaire pour démarrer. Tu penses pouvoir y arriver? Je m'en occupe.
maximal. Super. Le deuxième maintenant. Ah mais en fait, tu peux pas en mettre deux. Où es-tu, anomalie ? M'occuper de ces pompes. Je te tiens cette fois. Je te calcule un itinéraire jusqu'à la salle de contrôle d'urgence. C'est là que sont les pompes. Continue de courir. C'est exactement ce que j'avais prévu. J'aurais dû te jeter moi-même dans l'incinérateur quand on était sur Quarto. Ici qu'on règle ça entre robots de guerre civilisés. Vas-y, t'y es presque. Allez. Là, saute dedans. Hop. Deuxième salle. Ok, là ça a l'air. Plus... J'ai atteint la salle de contrôle d'urgence. Essaie de redémarrer les pompes. Il doit y avoir un panneau quelque part. Je m'en charge. Toi, tu continues à aider les Rangers. Nanotech, c'est bon. Là, on est bien. On est bien ici. Ouais, c'est ici où on peut pas. On peut pas. On est bloqué. Bloqué. Mais ça doit forcément être un truc tout con.
Ce dispositif tournant semble être la clé pour rassembler tous les robots gadgets dans cette pièce. Je suis sûr qu'il y a un robot gadget tout près d'ici. Ce dispositif tournant semble être la clé pour rassembler tous les robots gadgets dans cette pièce. En fait, il y en a un d'inutile en fait. L'incendie est en train de gagner du terrain. Oh mince, je suis vraiment maladroit. Ce dispositif tournant semble être la clé pour rassembler tous les robots gadgets dans cette pièce. Ah, non, c'est pas ça. Ah. Bon. On va faire une ellipse là, une courte ellipse, et après on se retrouvera. Allez,